بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. Et pourtant, c'est la question, Bobo. Il y a le fait de la question de la question. Je sais que c'est un rêve qui m'a sauvé la vie. Je suis allé à l'article de la question de la question de la question. Bon, il fallait me gosser la question. Ah, ndax réellement, Mohamed m'a dit ndax wala man exclusivement m'a dit. Donc, un an, j'ai fait des recherches de l'Atché. Donc, je suis là, je bon, effectivement, c'est un mystère. Et il y a un bon, sur le 72, au verset 26. Parce que je suis un mystère. C'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui agrée comme messager. Donc, je suis un bon. Nous avons quelqu'un qui m'a fait. Donc, je fais recherche sur le Coran, je sais que Dieu m'a dit que Michel Djikaw Souf. Il est venu à Souf Anfal. Le surat 8, Anfal, au verset 42. Il a dit, vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. C'est ce que j'ai dit. Donc, beaucoup de gens ont ce qui s'est passé. Moi, je suis en par exemple. Il y a un mot qui est en songe, au verset 43. Allah te les avait montrés peu nombreux, car si tu les avais montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu de cœur. Mais beaucoup de versets bizarres, il y a un mot qui est. Pour moi, par exemple, il y a le monnaie, je vais voir que les malades et les gens, mais nous toujours dans le monde, ils sont toujours dans le monde. Mais il y a le monnaie, mais il y a le monnaie, surtout au verset 42, mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté. Un ordre qui devait être exécuté. Pour que celui qui périt, périt. Celui qui devait périr est vécu sur preuve. Celui qui devait vivre. Et rappelle-toi le moment où les créants complétaient contre toi pour t'emprisonner et t'assassiner et te bannir. Ils complétaient, mais Allah fait échouer leur complot. Donc c'est un rêve qui m'avait sauvé la vie. Voilà, donc je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de ginaaw yonent bi sallalahu alayhi wa sallam amul ben yonent bi nga xamanteni dina yalla dina ko wacc wacc ci kaw souf tay nga bëgg jël sa bop ba ko dipé li nga xamanteni mom moy yonent ana ban jangat lañ ñu won am ci lool wa xam nga alquran amul fenf yalla ne muhammad est le dernier des messagers il a dit dans le même verset puis mi cité il est le dernier des prophètes mais yalla suñu mom tadd mo ñu xamal ne jusqu'à présent, des prophètes existent. Gars, chamnez lui, lui message que lui a mais chamnez le prophète. Prophète a écrit une lettre. Tiban a pour chamnez interprétation comment dirais-je aïm manial mugahamal. Al sot 33 al hazab au verset 40 yalla sunu mutadmune. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah. Mohamed Sassam, je suis là que quelqu'un qui a été en ce moment, mais il y a un tapis. Et le dernier des prophètes, le surat 17, verset 55, à l'Isra, au verset 55, il y a le monnaie. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Madame Mohamed Sassam, prophétie. Il me fait qui fait où aïe bien alors ne nous y aurons zabour livre bignon zabour y en tient la daoud nous y allons sur mutad de bijoch aïe terre tient le coran joch le mission boubès joch le terre y allons nous y hamal cinq qui en ont eu
fille, il a cité le prophète Daoud. Il a dit que le Zabour. Il a dit Mohamed Sassan, il a dit que le Coran. Il a dit Moussa, il a dit que le Tawret. Il a dit que l'Injil. Donc, il y a Ibrahim, il a dit que c'est un moyen de communication qu'on a. Buñ dëkk ba amulun moy waral gox yalla la daf leen dan yone fi yonent gis nga yonent Ibrahim ba mu nekké ci mission yonent yalla lolu mi won ci benen gox wa mais tay avec le mode de communication Allah peut permettre d'envoyer un seul messager à tout l'univers fi bi nekké ni pour vous montrer mes preuves télévision la war taxaw té du moto ngay taxaw parce yalla mako wax ya hin mudassir kum fanzir wala bëgg fa khabir au toi de l'évité de manteau. Lève-toi et avertis. Donc, il y a un monsieur qui a dit la langue maintenant. Il y a un monsieur libre choix quant à la langue à utiliser pour prêcher. Hein? Parce que nous avons les moyens, 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 nous avons les langues du monde. Donc, moi, je choisis le français parce que, ce que je sais, c'est que je suis en Al-Khoran, je suis en arabe. Donc, je suis en Al-Khoran. Donc, je suis en français. C'est français. Olof là, mais français, moi je n'ai pas attaqué dans toutes les langues du monde. Moi, j'ai utilisé le français. Donc, il y a le mot libre chat quant à la langue utilisée. C'est un rappel envoyé à tout l'univers. Dakar, le 21-03-2019. Un message universel. Une fois de plus, Allah m'envoie vous dire. Avec toute humilité, en foi profonde et en parfaite harmonie avec le divin, je vous implore scrupuleusement à écouter ce message qui vient de l'unique Dieu, le seul, Maulana Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Wallahi signifie que l'attributaire, l'actionneur de sa chose actionne là, mais là, et lui attribue cela pour dissuader son verdict qui n'engage que lui et lui seul. Allahu! Je sculpterai le tout à la loupe et au peigne fin pour que vous ayez une approbation, une palpante définition à ma chose que je voudrais vous transmettre. Dorénavant, celle-là, vous paracheminerez mes dires qui viennent de la plus haute définition jamais vue, su ni entendue. Et à chaque fois que ce souffle sortira, dis-toi que Allah est bien là. Allahu Akbar. À mon attention, à ma sentence, à ma décision décisionnaire, à l'avalanche, à l'éclosion, à la manière de faire et d'agir, du verdict divin à la chose même, à l'union, à la sainteté même, à ça. Là, à ceci-là, oui, c'est bien de ça-là dont je vous parle avec objectivité. Et avec une seule voix, celle de ma providence, providentielle, qui est mes attributs à moi tout seul. Allahu Akbar. Je décida et m'étais instruction à tenir sur tout. Allahu Akbar. Je vous révèle aujourd'hui au grand jour l'obtention totale. Allahu Akbar. L'obtention totale d'un chef-d'œuvre divin. Allahu Akbar. Innaka rabbuka lashadidun. Seul le détenteur de la chose sera à mesure de dire oui ou non sur cela et cela-là représente pour lui le nom même de ma mission. Allahu Akbar. Donc, en conclusion, en aucun cas, ceci-là ne peut être jeté par qui que ce soit,
alors j'aurais intervenu, je me positionnerais là. Pour réajuster toute pensée qui voudra aller à la dérive ou à l'encontre de ma décision décisionnaire. Moi, Allahou. Moi, Allahou. Allahou lana. Allahou kouf an. Allahou ahad. Lui et lui seul. Que j'ai bien voulu faire d'elle la représentation de ce que j'aurais voulu qu'elle soit. À vos yeux. Si précieuse pour moi, Allah, j'obtiendrai satisfaction s'il y a l'unanimité tous ensemble. Aurait fait d'elle l'exploit. L'exploit tangible qu'elle est devenue. Aujourd'hui, à mes yeux, si je peux m'exprimer ainsi, pour que vous, êtres humains, soyez plus réceptifs à mes dires et à vos pensées, je me positionnerai là pour m'y mettre et que tout un chacun ressentira mes dires et saura que Zayd Zaman est un canal et reçoit mes dires de par cette puissance du Verbe divin que je lui insouffla à chaque fois que j'aurai un message pour vous, êtres humains. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waye gis ni sama digënté ak Mawla Cheikh Ahmed Tijani ndax kaddu gañu bëgg guddu sax suma doon wax ci ngeen yi ma may du jeex amna jour bo xamni jour vendredi la le 8 août 2014 vendredi 8 août 2014 bobu ñu ngi nekk ci biir wasifa Tunis fi ci Medina Cheikh ci la Mawla Cheikh Ahmed Tijani ñew ci wasifa bi ni ma may na la benn siège ca Bassatul Jalal en face buildingu Yalla buildingu Allah wa nuru samawati wal ardi vendredi 8 août 2014 bi ñu nekk ci séance wasifa Tunis Mawla Cheikh Ahmed Tijani ñew ni ma Seydou Mohamed El Cheikh maniko labbay mu ñu ma may na la benn siège bo xamni ma nga nekk ca juróom ñaareelu asamaan jàkkaarlu buildingu Allah wa nuru samawati wal ardi moo tax gis nga lii problème bi mooy ñu néew ñoo mën dem Bassatul Jalal xut bu ñu mag ñu kese ñoo fi mën dem waaye gis nga tey ku dem Bassatul Jalal ca buildingu lumière yàlla bay tourné soo toggee sa building sa wetu building ba di xool buildingu lumière yàlla nu muy tourné di nga seen beneen building bu weex buy tourné building boobu touru Seydi Mohamed El Cheikh lañ ci bind Mawla Cheikh Ahmed Tijani moo ko façonné tabax ko fa ci lumière ba noppi ñëw vendredi 8 août 2014 si ci wasifa bi may ma building boobu muy sama siège man am naa siège ca 7e ciel moo tax xalaat naa ni monde shahada bii ku ma ciy jox cër ku ma ko ci dul jox yam ndax ku am siège juróom-ñaareelu asamaan siège monde shahada bii du la jaaxal waaw waaye loolu yëpp pour lan la mooy pour wan leen ñii ñu am cër bi mu Mawla Cheikh Ahmed Tijani defal